Eh bien salut tout le monde, c'est Yorsaiba, nous voici pour la suite et le parcours du 100% de Wario Land 3. Je l'ai terminé donc durant le live du 16 mars où j'avais fait un petit sondage pour savoir si j'allais le continuer sur Twitch ou sur YouTube. Sachant que personnellement je préférais un petit peu sur YouTube pour pouvoir un peu varier, on va dire, les jeux sur Twitch. Et également pouvoir faire du montage puisque je risque peut-être de galérer pour trouver certains trésors. Et donc de fournir quelque chose d'un peu plus agréable à regarder. Donc il y a eu le sondage et comme très souvent ça s'est terminé à 50-50 et donc bah, j'ai tranché en prenant donc, mon choix qui était de vouloir le continuer sur YouTube. Voilà, donc on va le continuer tranquillement et puis bah, je ferai du montage si je traîne trop sur Insta, je sais pas trop quand je vais faire encore, mais je verrai cela au montage. Alors, je fais continue et donc on réapparaît sur la world map comme on avait pu voir à la fin du live où on voit donc des points à chaque niveau qui clignotent là en rouge. Sauf le N1 parce que le N1 en fait bah, j'ai les 4 coffres et donc ça reste en blanc. Donc vraiment ça indique bah, en fait des endroits où il reste des trésors à trouver. Bah écoutez c'est parti, donc la dernière fois on avait terminé avec la dernière boîte à musique qui était le 48e trésor à trouver. Le 49e c'était Nord 3, je suis ma roadmap hein, comme j'avais déjà dit lors de mon live. Je continue à suivre ma roadmap jusqu'à la fin. Le 49e c'était au Nord 3, c'était pour le coffre rouge, mais je l'avais fait sans le faire exprès durant le live. Donc on va passer au 50e qui est au sud. Donc il va falloir que je change d'écran. Le sud 1, et ici il faudra trouver donc le coffre rouge. Alors la vidéo risque d'être assez longue hein, puisqu'il me reste quand même beaucoup de coffres à faire, hein, 50. Donc voilà, je vais essayer d'être assez efficace, mais évidemment si je me paume, bref, je verrai comment je fais. Quoi. Donc là ici, il faut d'abord trouver la clé rouge. Donc, je sais pas trop où ça peut être. Tout d'abord, peut-être ici. Faut que je revisite. Hein, le problème c'est que je connais pas trop. Je me rappelle plus trop des stages. Ah bah c'est un boss, ok donc c'est pas là. Peut-être de regarder un peu en haut à gauche là, je crois pas avoir fait trop ça. Mais... à l'époque j'avais fait pas mal à droite. Là y'a rien là. Ah là y'a un... y'a des portes là, on peut aller voir. Je vois la clé verte donc je pense pas que c'est là. Ça me dit quelque chose en tout cas. Il y a une échelle là. Hop. Ok, c'est pour revenir. Ouais, là, je pense qu'il y a des trous. Je sais pas trop où, mais. Oula. Je me suis déjà fait toucher par un oiseau apparemment, parce que ça me dit rien là, cette animation. C'était bizarre. De retourner en hauteur vu qu'il y a les trous. Il y a les trucs là par là. Ah bah ok, la clé rouge est là, est-ce que la porte serait par là? Bah là en haut à gauche non, c'était la clé verte donc je crois que enfin, après putain ça veut rien dire quoi. Je suppose que quand la clé se trouve à un endroit, la porte est pas loin, quoi. Enfin, la porte, le coffre. Ça me dit pas grand-chose, ça. Si, on l'a déjà fait, ça. Bon, si, je crois que c'était... bon. Pour le coffre gris. Merde. On va peut-être essayer par là, alors. Merde. Il y a quoi ici? Le golf, je me rappelle pas si on l'avait fait ici ou pas. Oh putain, bon. Comme d'hab, j'essaye d'un peu
essayer de charger dans les murs, tout ça, puisque fallait s'habituer à cela. On remarque que ça fait longtemps que j'ai pas fait le mini-golf. On va essayer, peut-être que c'est là le chemin. Et donc c'est là que les pièces sont importantes en fait. Alors, laisse-moi voir. Ça va dans l'eau là si je tire trop fort, non? Faut que je m'arrête un peu avant. Mais attends. Attends, je m'en rappelle plus. C'est pas grave. Mais faut pas que je tape trop fort quoi. Je fais de la merde. Ouais, j'étais au-dessus du pas. Bon, c'est mort. Faut que je le refasse. Je suis plus habitué. Hein. Faut que je me réhabitue. Hop, on refait. Alors. Voilà. Parce que si ça va dans l'eau, je perds un coup. Enfin, c'est pas terrible. Quoi, mais. Mais c'est pas la même chose à chaque fois. Putain, là je peux pas faire mieux. Donc là, si je tire à fond. Il est pas facile celui-là, la vache. Ok. Là, j'ai pas le droit de me foirer, quoi. J'espère que le trou est juste là. Ok. Ouais. Je sais pas ce qu'il faut mettre là. Raf. Oh la vache, c'est quoi ce parcours de mort là? Il est super dur là, celui-là. Celui d'avant était plus simple. Par 5. Ah bah attends, c'est vachement plus dur quoi. Ah, le fait de taper dans le bleu, ça permet de faire un effet là. Le backspin ou autre chose. Je sais pas ce que c'est, si c'est du sable ou non, on dirait que c'est de la lave. Donc là, faut que je jauge. Je tirais ici, ah, c'est trop fort ça. Bon, vas-y, je suis dans le bleu. Bon bah coupure hein, pour essayer de finir de réussir ça. Parce que je sens que déjà rien que ça je galérais. Quoi? Mais attends, normalement ça va vachement plus loin. Non bah c'est mort. C'est mort, bon écoutez, je fais une coupure parce que je vais pas faire une vidéo que sur le golf. Ok moi. Putain, c'est extrêmement chaud. Bon. Je peux avoir un truc correct là. C'est-à-dire c'était tellement pas précis, tu sais pas quoi. Ok, alors pas trop à fond non plus. Pour être dans le rough. Voilà, j'y vais à fond. Ok. Voilà, c'est bon. Putain, et ils sont durs là, ces parcours. Bon, au moins c'est fait. Bon, c'est sûr que je l'avais pas fait durant le live, hein, parce que celui-là, il était... Ah ok, bah il y a le coffre rouge, là. Ouais, c'est certain que je l'avais pas fait, hein, j'aurais pété les plombs, ouais. C'était pas évident, quand même. Hein. Allez, c'est bon pour ce coffre. Je vais me mettre un petit marqueur. Alors, ça va être quoi, là? Je sais pas ce que c'est, on dirait des assiettes. Ah non, c'est une roulette. C'est même... Ah, c'est deux roulettes. D'accord, je vais pouvoir utiliser un wagon. Donc c'est marrant, hein, même après avoir fini le jeu, on va continuer à interagir sur la world map. Donc là, il faut que j'aille à l'ouest. Au niveau 2. Ici. Et là, c'est pareil, il faut que je trouve un coffre rouge. Donc là, va falloir que je trouve le chariot pour bah, sans doute atteindre le coffre rouge. Tain, ça y est, j'arrive plus à parler. Attends, je vais essayer d'aller en dessous alors. Donc là, c'est la flotte. Ah, c'est dommage. Oh putain, je vais perdre du temps. Allez, vite.
C'est vrai que là je suis avantagé avec le pouvoir là d'aller dans les courants. Parce que là bon, je peux pas péter les blocs du dessous. Non. T'enflamme pas. C'est d'aller vite. Hop. Après tout. Oh putain, j'ai appuyé sur O pour monter mais forcément devant une porte. Ça marche pas. Alors j'ai lu un truc sur ces pièces là de couleur. Parce que, ah super. Parce que apparemment quand il y a une pièce de couleur, ça indique qu'un coffre de cette couleur est pas loin. Donc là par exemple là c'était une pièce bleue, donc on serait sur le bon chemin pour avoir le coffre bleu. Ça donne 10 pièces hein, sinon, mais ça pour toutes les. Quelle que soit la couleur quoi. Bon, en même temps c'est pas du tout là, mais bon. Ouais je sais pas. C'est ce que j'ai lu après, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que c'était à l'écran d'avant hein, donc il y avait un coffre bleu, je sais pas. Ok bon bah je sais pas trop ici. Bon je reviens là. Ah oui. C'est voilà, là, c'était une pièce grise, donc on est d'accord que c'est au moins la clé est grise, mais ah putain, je sais pas s'il faut que j'aille en bas à droite là où il y a le tuyau. J'ai chopé ça. Je suis galéré, je sens. Pas y aller là. Il faut que j'y aille forcément en boule. Je sais pas si je suis sur le bon chemin, c'est ça le problème. J'ai appuyé sur le saut. Toujours pas évident ce passage. Ça, je me rappelle que j'avais galéré. Pour une pièce, on s'en fout totalement. L'avantage de la pièce quand même, c'est que ça me donne 10 pièces, 10 petites pièces en vrai. Ça me recharge le truc hein, vu le nombre de tries que je vais faire pour le golf. Après je peux aller à coup de save state aussi. Hein. Putain, c'est relou ça. Voilà. Ah, mais c'est un boss, on s'en fout. Bon, c'est pas du tout le bon chemin. Allez, cassez-vous. Je vais peut-être faire une petite coupure, je sais pas. Je sais pas du tout comment je vais faire ce montage. Ça va être ignoble au possible. Je suis en train de me demander si je ferais pas mieux de regarder en fait un guide à chaque fois pour savoir au moins à peu près quelle direction prendre, quoi. Parce que sinon, à chaque stage, ça va être très long. Hein. Franchement, la vidéo va durer 10 heures, quoi. Là, je suis revenu au début, là. Non. Non, c'est autre chose, là. Ah non, c'est un autre écran, ça. On va essayer là. Ah, c'est bon. On y est, je pense. C'est pas très rapide hein. Oh il y a un mini-jeu. Oh putain, qu'est-ce que ça va être encore ça. Je m'en fous un peu de ça non.
Vamos voir ce qu'il y a là. On se prend une pièce. Je suis obligé, voilà. Je vais continuer là, je vais plutôt m'intéresser au mini-jeu. Voilà, c'est ici. Bon, j'essaye un coup, ou je vous mets direct la bonne, le bon frame, enfin frame, séquence. Putain, ça devient hard, hein. Ok, donc, pour moi, ce serait là. Putain, je pensais que ce serait plus fort que ça, quand même. À gauche ou moins? Ouais, c'est bon. Donc un petit peu, hein, comme ça. Ok. Bon, first try, ça va. Ça me débloque ça et bon, ça va être un coffre. Mais j'ai la clé en fait? Je sais même pas. Non, je l'ai pas. Bon, on va déjà voir ce qu'il y a. C'était où? Oh putain, la clé! J'ai trouvé la clé. Comment j'ai fait pour aller en haut? Je me rappelle de ça. J'étais passé par en dessous. C'était là. Ok. Bon, de toute façon, ça, ce qui est bien, c'est que ça a débloqué le chemin. Ça, j'ai aucun souci. Je vais pas refaire le mini-jeu. Le coffre en dessous. Par contre, le coffre, la clé. Faudrait pas prendre plutôt un wagon qui serait là, là. Ouais, est-ce qu'il y en a pas? Il va jusqu'où en fait ce wagon? Il continue. Avoir la clé là. Parce que c'était quand même assez bas, putain. Non, casse-toi. Yes. Après, j'ai à remonter. En fait, c'était quoi le passage qui me gênait là avec le mini-golf? Bon, fallait que ça arrive. Combien de pièces là? 6 hein, quand même, c'est pas mal. Hein. Mais bon, je vais pas chercher les deux autres. Bah écoutez, je vous passe en accéléré là jusqu'au coffre, parce que là, vous avez compris le chemin. Et histoire d'optimiser aussi la longueur de la vidéo. Quoi. Allez, c'est bon. Ça, c'est fait. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir, donc? J'arrive pas à savoir ce que c'est. Peut-être pas forcément être quelque chose d'utile. Juste un simple trésor. Ouais, on dirait bien. Alors, ensuite, il faut faire le sud 2. Et je crois que c'était à droite. Là aussi, il va falloir se choper un coffre rouge. Voilà.
Le coffre... Enfin, le coffre. La clé grise. Oh putain, oui, ça y est. C'est une saloperie, là. J'espère qu'il faut pas le tonneau. Je sais qu'il le fallait à un moment donné, putain. Ah ouais, non, mais ça, c'était un passage bien relou, ça. J'ai sauté, mais ça n'a pas pris en compte. C'est pas long. Si je suis allé en dessous, bon, on va essayer de toute façon. Ok, là il y avait une sortie. J'ai fait haut pour pouvoir sauter plus haut, mais non. J'ai vu une clé verte, donc ça m'intéresse pas forcément. C'est vrai que je me suis pas rendu compte si c'est possible qu'on ait deux clés ou deux coffres de même, enfin de couleurs différentes dans la même salle. Bon, je vais essayer ça en haut à droite là. Me mettre là, je crois. Voilà, ça passe. Bon, j'ai souvenir de l'avoir fait ça, mais peut-être que j'étais bloqué. Ah, oh, putain, il y a encore du golf. C'est le coffre vert. Ah, ouais, non, c'est pas ici. Descends. C'est pas ici. Descends. Nous laisse comme qu'est-ce qu'il nous reste comme possibilité là, peut-être là. Ah, là je peux la contresens. Ok, pour une pièce, pas de chance. Quelque chose, ça, on l'a fait, ça. C'est une clé bleue, visiblement. J'ai trouvé le vert, le gris, le bleu, mais pas du tout le rouge. Ah putain, je suis descendu. Ouais, je suis pas sûr que ce soit là. Ouais, bah écoutez, hein, je vais faire une petite coupure jusqu'à ce que je trouve le chemin. Parce que là, je pense... J'ai l'impression d'avoir fait le tour, mais bon. Je vais chercher. Ok, je sais pas comment l'approcher, ce qu'on... Ah, comme ça. Ah yes, donc là, il y a la clé rouge. Oh, il y a le coffre. Ok. Bien compliqué, vas-y passe toi. C'est bon, on l'a. C'était pas hyper compliqué, fallait juste penser à faire le tour en bas là sous la flotte. Enfin sous le pont. Et là on a gagné un crayon. Alors, je sais qu'on avait déjà gagné un crayon de souvenir. Ouais, c'était pour le 49. On a chopé un deuxième crayon. Et qui s'affiche pas là, bizarrement. Ça colorie un endroit, quoi. Très bien. On va aller au nord. Peut-être d'ailleurs c'est à l'endroit où il y a le coup de crayon, là. Bah non, c'est pas là, puisque on va aller au N2. Voilà. Pour trouver le coffre vert. Ah, c'est les zombies. Coffre vert, hein, j'ai dit.
Bon, forcément, je m'en rappelle pas. Si, en haut. Bon, je vais accélérer, voilà. On va attendre 15 ans que ça s'enlève, ce truc. Ah, il y a lui. Faut être transformé en flamme là, pour le dégager, c'est ça? Ah voilà, d'accord, c'est comme ça qu'il faut faire. Ça me dit rien par contre, hein. Je pense qu'on l'a pas fait ça. Je peux le péter ça? Ouais. Bon, là, il va y avoir un labyrinthe de tuyaux. Ou au moins un qui est bon. Ah non, zéro, vraiment? Bah, ça sert à quoi cet endroit hein? Quoi? J'ai essayé partout. Oh. La blague quoi. Ok, bon, ça a l'air d'être ici. Alors. Par contre, il va dans l'eau, hein, j'imagine. Ça l'arrête pas, ça. Ah, super. Enfin, non, pas super, puisque c'est le vert que je cherche. Bon, c'est pas grave. Bon, écoute, c'est pas grave. Lui, il sera fait. Donc, c'est quoi? N2 bleu. Donc, c'est le 63. Voilà, je me le note comme étant fait. Je sais pas, j'ai trouvé une dalle. Pas trop ce que c'est que ce truc. Ok, il y a ça qui s'est ajouté. Ah, c'est pour changer le temps. Enfin, c'est du jour à la nuit. Pas mal. Du coup, faut que j'y retourne. Ah, mais c'est ça les symboles alors qu'il y a sur la roadmap. Parce que là, je suis en quoi là? Parce que là on me dit N2 là, pour le coffre vert il faut que ça soit l'étoile. Ah putain mais ça indique ça, c'est-à-dire que je dois être deux jours ou deux nuits. Attends, on va voir. Ouais, quand on appuie, on va se mettre en soleil, c'est ça. Et l'étoile c'est la nuit. Donc c'est ici que j'ai trouvé le chemin pour aller au coffre vert. Je devais être deux nuits en plus. C'est vrai. Je sais pas pourquoi je peux plus faire d'input quand j'accélère. Ça faut que je vois dans RetroArch comment c'est configuré quoi. Allez, lâche. Oh merde, attends. Ok. Non. Non. Mais je crois pas que c'est là, hein. Ça on l'avait déjà fait, hein. Ça me dit quelque chose. Retourne à ça, mais peut-être que ça a changé, non? Il y a un autre tuyau, peut-être. De dispo. Bah non, je vais retourner au... Non, je dis des conneries, on va retourner au coffre bleu, quoi. Donc c'est pas là du tout. Je sais pas à quoi il sert. Voici les tuyaux, vite fait.
ça me fait revenir là, très bien. Ok, si vite fait ça. C'est le rouge, non, c'est le vert que je cherche, c'est bien, je vais vraiment faire toutes les combinaisons possibles sauf le bon quoi. Porte fermée, là. Bizarre. On va aller voir là. Oh, y a une porte en bas. Non, ça c'est la fin. Je sais plus pour quelle couleur. Bon, je vais vraiment. Putain, c'est. Ça va être ignoble pour vous à regarder vu que je me retape tout à chaque fois, mais jamais le bon chemin. Vraiment, j'hésite à utiliser un guide. Hein. Parce que là, c'est pas possible hein, si ça se passe tout le temps ainsi. Bon, de toute façon, là, je crois que j'ai fait le tour, donc je vais chercher de mon côté. Je vous fais une coupure jusqu'à ce que j'arrive à cette clé verte. Puis on verra ensuite, quoi. Okay. Ah, ok, ça s'est ouvert. Donc, en fait, j'ai mal lu... Enfin, je lisais mal la roadmap. Quand ça me mettait étoile, en fait, c'est dire qu'il fallait faire le niveau de nuit. Ce que j'avais dit avant, mais j'ai pas tilté. Et du coup, en fait, la porte qu'on avait trouvée ici était fermée le jour, mais à la nuit, c'est ouvert. Et ça serait là la suite donc de ce qu'on cherche. Notamment la clé verte et le coffre vert. Compliqué quand même hein. D'accord, la faute invisible. Là il y a quoi ? Parce qu'en fait, je sais pas si c'est le coffre à gauche ou si c'est la clé. Oh non, putain, pas le retour de ça. Ok, on a la clé verte, donc c'est bon. Après, je vais peut-être faire ça, franchement, pour les niveaux suivants. Je vais peut-être regarder vite fait, au moins m'indiquer par où aller pour trouver ce que je souhaite. Quoi. Putain, comment on va faire pour lui, là? Ah, d'accord. Ouais, c'est un peu l'enfer parce qu'on voit que dalle. Super, le saut qui a pas marché. Bon, c'est bon, hein. J'ai fini Super Mario Wonder à 100%, donc... Le genre de stage où on est invisible, je connais, hein. Référence au dernier niveau du monde spécial. Ok. Je savais bien parce que là avec la flamme je vois pas ce que je pouvais faire. Ok, cool. J'ai chopé une coupe. Ça ressemble à une coupe. Qui apporte pas grand chose. Maintenant, on va aller à l'ouest. J'ai à droite. Et on va aller au niveau 2 pour un coffre vert. Ici. Bon, j'essaye un peu hein, quand même. Mais... Ah putain, c'était ce truc là. On l'a déjà fait ça. Pour le rouge. J'avais peut-être trouvé le vert, mais alors putain, bah, encore une fois, hein, ça va être compliqué de retenir pour ma part. On fait tellement d'allers-retours que bon, moi je retiens rien. Oh ouais, c'est, on venait de le faire. Aïe aïe, et puis mes réflexes. Ça c'était le bon chemin en fait, non? Pour le rouge. Je crois.
3, hein. Putain, je suis en train de faire encore n'importe quoi. Et oui, c'est ce que je venais de faire tout à l'heure. Et il y a peut-être un autre chemin pour le vert. Parce qu'en fait, on a débloqué le... C'est ça en fait qui me perturbe, c'est que le chemin du mini-jeu là, je l'avais débloqué, mais en vrai, je sais pas trop. Ah, c'était pour aller là. En fait, je suis jamais allé en haut à droite et c'est peut-être là qu'il y a le coffre vert. Bon, écoutez, je fais ça vite fait et on voit. Ok, c'est bon. J'accélère ça parce que ça met du temps. Voilà, c'est bon. Normalement, le chemin est débloqué à droite. Putain, ok. J'ai trouvé le coffre vert. Ok, super. Et la clé maintenant. Bon, en tout cas, le mini-jeu était important pour ça. C'est la fin. Non. Peut-être qu'il faut aller au bout pour avoir la clé verte. Casse-toi. Viens là, putain, je sais pas où est la clé verte. C'est pas forcément juste à l'écran précédent ou autre, je sais pas où aller. Écoutez, petite coupure pour trouver cette clé verte parce que là je vais mettre trop de temps là sinon. Ça serait là en fait. Et ouais, la clé elle est là en fait, c'est ça. Je l'avais peut-être vu tout à l'heure, mais j'avais passé mon tour parce que c'était pas la couleur que je cherchais. J'ai complètement zappé aussi. Attention, là je pourrais l'ouvrir maintenant. Et voilà. Bon, j'arrive à avancer fur et à mesure. Je suis quand même à presque 50 minutes d'enregistrement. J'espère que ce sera beaucoup moins pour vous. Et on n'a pas fait beaucoup de coffres. Hein. Allez, continuons. Cette fois, il va falloir que je fasse le niveau d'avant, le West 1, pour le coffre vert encore. Il n'y a pas de condition là, donc j'y vais. Et puis bien sûr, bah, là, faut que je trouve mon chemin. C'est vrai qu'il y a un truc qui s'ouvre. Super. Il s'ouvre la nuit ou le jour. Allez. Je pense que c'est pas là du coup. Je pense pas. J'hésite vraiment à regarder direct. Hein. Ça m'emmerde un peu parce que j'ai envie de découvrir un peu aussi. Parce que j'aime bien ce côté recherche. Ou alors... je vous fais la coupure directe. C'est bien, hein, je réfléchis à tout ça alors que je suis déjà lancé sur l'enregistrement. Je peux pas y aller là. Faut le soleil. Mais vu qu'il n'y a pas de conditions, ouais, je pense pas que ce soit là où il y a les portes qui s'ouvrent selon le temps. Ça paraît très bizarre quoi. Là, on voit la clé grise là. Rien au-dessus. Ouais non, ok c'est bon. Bien joué. Je sais pas trop ici, hop.
spécial ici. Non, merde. Ça, c'est pour une pièce, qu'on s'en fout. Hein. Ça, je reviens là, ok. Bon, écoutez, non, je sais pas, je vais faire une coupure quand même. Parce que je sens que ça va pas être évident encore. Mini-golf encore là. Oh oui, c'est une pièce verte, ok bon. On est sur la bonne voie. Alors c'est parti, je vais faire le mini-golf. Je vous mets la bonne séquence. Dommage pour le backspin. Ok. Et donc là... Ok, super. Deuxième coup. Voilà, ça dégage ça. J'en aurais besoin sans doute. Ouf, alors continuons ici. Oh yes. Comment j'ai fait pour monter par là, hein? Hop, je suis passé par là. Merde. Ok, c'est bon. Je suis pas tombé. Hein? Comment je fais alors? Attends. En passant par là? Non, ça c'est la fin d'un autre coffre. Merde. Attends, comment c'est faisable leur truc là? En fait, le mini-jeu, ok, ça m'a viré un bloc, mais je sais pas trop où. Ah, peut-être lui. Attends. Viens avec moi. Non, putain. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que cette merde là? Je comprends pas là. Il est plus là maintenant. Bon, bah je vais voir une solution. Je sais pas. Ok, j'ai vu, donc en fait faut redescendre tout en bas. Alors, vaut mieux même se laisser taper par ça, comme ça va plus vite. Hop. Faut aller au maximum en bas. Et puis en fait j'avais pété le bloc ici, c'est là qu'on peut passer. Donc ça évidemment je l'avais complètement zappé que le bloc était là. Et ok, ouais, c'est comme ça qu'on l'a. Ouais, putain. Faut s'en rappeler de tout ça. Donc là, on a fait ce coffre. C'était le 55e, 56e. Ça se trouve à E2, faut prendre le coffre rouge. Sauf que je l'ai eu. Je l'avais eu lors d'un moment pendant un live. Ah, j'ai eu le crayon rouge. Donc on va aller au sud, plutôt au sud 2, pour faire un coffre rouge, vert. Et je pense qu'une fois qu'on a tous les crayons, ça va... Je sais pas, faudra aller dans cette grotte, là. Ok, donc le sud 2. Ici. De retour là. Ah oui, ok. Sauf que j'ai plus aucune idée d'où est-ce que j'avais vu un... Si j'avais vu une clé ou un coffre vert. Non, mais il faut trop de mémoire pour ce jeu. Faut clairement... C'est compliqué pour ma part. Remonte. Là, j'avais galéré pour trouver le rouge. Ah, super.
Bon, je dirais que le vert est plutôt en bas à droite. Voilà que ça va se passer, je pense. Pourquoi ça l'a éclaté? Ok, donc là la clé verte. Fait piquer, je gonfle ou pas? Non. Ça, je suis électrocuté seulement, donc je sais pas. C'est pas ça. Comment on monte? Ah, mais ça se cassait ça. Il y a un truc au-dessus. Hein. Laisse-moi sortir. On va essayer. Bah non, la porte du dessus, c'est la sortie. À le bloquer quoi. Il y a un truc au-dessus mais je sais pas comment on fait pour monter. Les deux ennemis me permettent pas de me transformer. Ça me transforme pas du tout non plus. C'était quoi ça déjà? Oh, putain, attends, oui, c'est quelque chose. On l'a fait tout à l'heure, mais je sais plus ce qu'on a trouvé, encore une fois, ma mémoire légendaire. Bon, de toute façon, c'est quasi impossible de retenir les niveaux. Enfin, pour moi, c'est pas... C'est quasi pas possible, quoi. Ah si, le coffre vert est là. Ok. Ok, bon, allez. Donc, petite coupure, hein, jusqu'à ce que j'arrive à faire ce mini-golf. Là, je suis bien. Ok, ça passe, et là, faut que je le mette en un coup. C'est possible, mais c'est chaud. Oh, yes! Putain, celui-là c'est un des pires parcours. Là j'ai dû y arriver au 5-6ème coup. C'est là que tu consommes en fait toutes tes pièces en vrai. Bon, évidemment là, je me faisais pas chier. Quand je foirais, save state. Allez, c'est bon, on va pouvoir atteindre ce coffre. Non, parce que bon, je vais pas non plus m'amuser après à farmer des pièces quoi. C'est hors de question. C'est quoi ça? On dirait une Game Boy ou un Tamagotchi, je sais pas, c'est marrant. La forme, ça me fait penser à ça. Mais ça change rien dans ce monde. Maintenant, on va aller au nord, donc c'est retour au début. Nord 4 pour un coffre rouge. Ok. J'ai dit. Bon, je sais pas, je fonce à droite le plus possible, on verra. Attends, je tourne en rond là ou... Putain non, c'est super long en fait. Ça on l'avait fait hein. On l'a fait le Nord 4, non? Attends. Ah non, on l'a fait en live. Mais ça je crois que je l'avais fait hein. Ouais, c'est quelque chose là les... ces ennemis là.
doit pas être là. C'était pour le coffre vert. Non. Putain. Bon, j'accélère parce que ça met 15 ans. Faut éviter les pics. Même là, c'est que ça va vite. Ah, ok. Ah, c'est bon. On dirait que c'est un tuyau mais qui est à l'envers. Alors là où j'aimerais bien aller c'est là. Ok, il y a un truc en bas à gauche. J'ai aucune idée de comment on y va. Peut-être qu'il y a une nuit. Non, c'est pas marqué dans mon truc. Enfin, même si là j'ai l'impression qu'on est de nuit justement. En haut c'est quoi, c'est une pièce. Faut voler peut-être par là, puis peut-être voler et ensuite pouvoir aller en haut à gauche. Je sais pas, écoutez, je vais chercher un peu, puis je vous mets la bonne séquence. Ok, je suis allé voir sur une soluce parce que bon, bah, je trouvais absolument pas et ça me paraissait vraiment assez dingue. Et en fait, vous allez voir, c'est très con. Enfin, sans soluce, c'est introuvable. Ou alors, faut de la chance. Mais grosso modo, à des blocs comme ça, alors pas forcément ici, en plus, faut tout essayer. Il faut péter les blocs, voilà, comme ici. Et derrière se trouve une porte cachée. Avec, par exemple, ici, la clé rouge. Et en fait, il va falloir faire la même chose pour trouver la porte rouge. Voilà, c'est planqué derrière deux rochers dont on ne sait absolument pas... Oh putain, non, non. Oh là là, bon, je refais. Oh putain, je suis fatigué. Les placements des ennemis sont vraiment bien foutus parfois. Voilà. Donc j'y retourne. Bon, bah coupure parce que je fais de la merde. C'est là. Ouais, c'est ici. Et voilà, le coffre rouge qui est ici. Et enfin voilà, c'est hallucinant. Et là, je commence à me dire vraiment si je vais pas regarder, faire une petite pause entre chaque niveau pour savoir où ça se situe. Hein, parce que si c'est pour passer à chaque fois 10 minutes et me dire bon bah non, je trouve pas, je regarde une soluce, je crois que je vais faire un gain de temps en faisant ainsi quoi. Là maintenant, si les coffres sont cachés comme ça dans des décors planqués à tel endroit au pif, c'est pas ouf quoi. B ? Comment ça B ? Hein ? Attends, c'est quoi que j'ai pris là ? J'ai pris une loupe. Ok. Attendez, si je fais B, c'était l'autre bouton. J'essaie de comprendre ce que ça veut me dire là. Par exemple, si je vais au prochain qui est à l'est 4. Bon, évidemment, c'est à l'opposé total. Non. Il est où ? Voilà. Je laisse appuyer. Ah d'accord, en fait c'est les coffres qui me restent à faire. Le premier et le troisième on les a fait et donc il m'en reste deux. Et il y a l'étoile, je sais pas trop ce que ça veut dire l'étoile. J'en ai fait 3 sur 4. Et ça m'indique aussi ce que c'était quoi. Faudrait voir, attends j'en ai un pas loin, là je suis à l'est 2 là.
Ouais, mais là ça me l'indique pas parce que par exemple pour le coffre bleu, fallait que ça soit 2 jours. Donc ça me l'indique pas quoi. Bah je vais faire des petites coupures, je vais essayer de faire un truc que ça se voit pas à chaque fois. Bon là je l'annonce quoi, mais je vais faire des petites coupures pour savoir à peu près le chemin à prendre. Pour que ça soit plus fluide hein, cette fois. Ok, de retour de là, bon, j'ai vu hein, où c'était la clé rouge et le coffre rouge. Bon après voilà, ça se passait on va dire relativement facilement. Mais je sais pas si c'est quand même... Ça fait un peu mal d'avoir vu ça. Par exemple ici, il faut aller au jeu là qui est en dessous. Et pour ça, il faut avancer en étant accroupi pour pouvoir passer là. Bon, c'est clair que je l'aurais fait sans le guide, j'aurais mis 15 ans pour trouver ça quoi. Déjà. Déjà, c'est sûr. Du coup, je sais pas, ça me fait un peu mal de... En fait, je sais pas du tout comment faire ce let's play, hein, clairement. Ah, très bien, bon, je peux recharger. Ok, bon, bah ça a l'air compliqué, là, ce mini-golf. Ah, avec le backspin, parfait. La petite coupure jusqu'à ce que j'y arrive. Ah, pas mal. On y va à fond. Oh putain, je vais faire un birdie. Comme ça. Pas assez ça, si? Non, c'est bon. Voilà, donc ça, je suis obligé pour pouvoir accéder au coffre rouge. Et donc je vais chercher la clé qui est en bas à droite. Mais voilà, du coup, il n'y a plus cet effet de recherche, de surprise. Ça me gêne un peu, à vrai dire. Donc je sais pas, je vais pas le faire... Je le fais là, mais... J'ai quand même envie de chercher un peu de moi-même, mais ça me fait chier de vous enregistrer ça, parce que forcément... Je vais mettre 15 ans pour trouver, et puis au final, je vais regarder une soluce. Voilà, donc la clé rouge est là. C'est pour ça que c'est compliqué en fait, hein. Je sais pas trop comment faire ce let's play quoi. Lâche-moi. Ok, bon là on va remonter. Et on va prendre le passage où il y avait le... Merde. Le bloc de golf là. Putain. J'ai pas pris le meilleur chemin là. C'est un peu au-dessus. Là, hop, et là faut tomber en étant accroupi pour pouvoir passer comme ça. Donc là, j'ai accès au coffre rouge qui est au-dessus. Bizarre que ça soit aussi haut, mais c'est fait. Voilà, bon alors ce que je vais faire quand même, c'est je vais chercher un petit peu de moi-même quand même. Parce que ça me gâche un peu l'expérience quand même de faire ainsi. J'ai pas vu ce que j'ai chopé comme objet, merde. Ah. Ouh, bah je vois où c'est ça. Là je pensais que c'était un tuyau à l'envers. Ok, on va aller là, alors. Donc c'est le Nord 4. Ah mais il nous a indiqué en plus là. Ah, il y a d'autres endroits. Ah peut-être que je confonds alors, j'espère que c'est celui que je pense. Bref, on va retourner au Nord en tout cas. Quatrième niveau pour faire le coffre bleu. Et après moi je ferai une pause, bon pour vous ça continuera peut-être. Parce que bon, je vais pas tout faire dans la même session, hein. Je vais... Pas trop le temps non plus, et puis bon, ça me suffit aussi. Ouais, non, c'est là. Ok, donc ça s'est soulevé, ça. Ah, oui, d'accord. Donc, du coup... Ah, bah, c'est comme ça qu'on y va, ok. Je comprends mieux. Donc là, bah, va falloir trouver, hein, mais tout se fait là. Il va falloir être en flamme. Ah, la clé est là. Alors, faut être en vampire, mais j'imagine que...
C'est pas l'eau. Merci. Voilà. Donc non, ça me bloque totalement. Est-ce que je fais peur? Voilà. Attention, il y a de l'eau. Je savais pas que ça faisait peur aux grenouilles aussi. C'est bon, on a la clé bleue. Le coffre bleu qui doit se trouver dans la même zone. Ok, là on pourra se transformer. Ça sert à rien quand je suis comme ça là. Pourquoi que je vais vite? Ah, je l'ai vu le coffre. Ok. Faut éviter les chauves-souris maintenant. Une fois que je serai en flamme, je pense que ça me fait rien. Ah putain, c'était juste pour une pièce. Bon, allez, hop, c'est bon. Je remonte. J'ai sauté dedans comme un con. J'ai des petits coups d'accélération hein, pour enlever cette transfo. Ah attends, non, non. Faut que j'aille chercher un truc. Un ennemi sans doute. Un ennemi qui doit se trouver en bas là. Ou un tonneau. Ah, c'est une pierre, ok. Non, si, si, c'est quand même obligatoire ce passage. Ok. Bon bah là c'est parti. Merde. C'est bon. Bon bah voilà. Bon là c'est cool, j'ai... Par exemple là j'ai pas eu besoin, bon après... c'était assez indiqué hein, l'endroit où fallait aller. Mais bon au moins j'ai pas vu de soluce, ça me va bien quoi. Non, non, je vais pas faire comme j'avais fait pour le niveau précédent, en fait. Hein. C'est très brouillon comme let's play, hein. Je suis désolé, mais j'essaie de réfléchir au fur et à mesure comment le faire. Donc là, on a chopé une fusée. Qui apporte rien. Ok, donc, bah écoutez, on se retrouve tout de suite pour la suite. Moi, je vais faire un petit break. Et donc, on commencera, je vais me positionner d'ailleurs, direct. Il faudra aller à l'Est 3. Pour faire un coffre bleu. Voilà, bon, même, j'espère quand même que ça continue à vous plaire, hein, ce que je vous propose. Et donc, voilà, je vous dis à tout de suite pour ce niveau-là. Très bien, on reprend là, donc pour vous c'est immédiat, mais pour moi c'est une semaine et demie après. Donc évidemment, je me rappelle de plus grand-chose, mais bon, on est au 61e trésor, ici, où il va falloir trouver le coffre bleu. Voilà, ça c'est ce que j'ai noté. Ensuite, bah, va falloir essayer de trouver le chemin. Pour l'atteindre. Je sais plus si on a eu des pouvoirs là juste avant. Faudrait que je regarde vite fait mes notes. Le 60e, on a eu une fusée. Je sais pas si ça fait. Si ça avait déployé un truc ou pas. Ah, ça, peut-être qu'on n'y est pas allé là. Là, il y avait l'espèce de socle en verre là qui s'était relevé. Ça, on l'avait fait récemment. Mais j'ai pas souvenir qu'on soit venu dans ce niveau depuis. Donc on va regarder par ici, je pense qu'il y a peut-être moyen qu'on trouve ce coffre bleu. Bon déjà il y a aussi la clé bleue à trouver. Et donc c'est parti. Hop. Parce que là, j'ai aucune idée si on a déjà fait ça ou pas. Bon, de toute façon on va monter. Alors attends, je vais quand même voir s'il n'y a pas des coffres, des portes cachées derrière ces blocs. Les pics, ok. Ah, le coffre bleu est là. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, il manque plus qu'à trouver cette clé bleue. Qui doit être en bas à droite, quoi. Sauf que pour y aller, bah, c'est un peu chiant, puisqu'il va falloir éviter de se faire piquer de monter en haut. Ouais, ça, c'est juste être la difficulté de cette phase. Ouais, dégager avec le dash. Hop, c'est bon.
pas grave. Non, 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 par contre. Putain, mais ça revient direct. C'est horrible. Ok, c'est bon. Moi, je m'en fous un peu. Je vais passer par là. Ah oui, tiens, je pourrais me faire piquer pour avoir cette pièce. Mais pas trop d'intérêt. Ah, par contre, peut-être que j'amène un ennemi. Plus à gauche possible. Allez, par ici. Putain, je vais me faire piquer. Voilà. Allez, fais-toi plaisir. Normalement, j'ai accès au coffre. Oh non, putain, juste. Je sais pas où était le bord. Voilà, je vais coller le mur. Et c'est bon pour celui-ci. Hop, donc je me note comme quoi c'est fait pour celui-ci. Et donc on fera... Alors c'est quoi que j'ai gagné là? C'est un crayon, le crayon jaune. On commence à en avoir des crayons. Et pour l'instant, on n'a pas encore vu l'utilité de cette chose. Alors cela... Voilà, ça se met toujours à cet endroit. Donc j'imagine que cette montagne, enfin cette colline sera colorée une fois qu'on aura chopé tous les crayons. Quoi. Alors, la suite, ça va être... Alors comme on peut voir, West 3, on n'y ira plus. Le rond est blanc, donc on a eu tous les coffres. Et là, il va falloir aller à... Non, bah non, je vais revenir. Au sixième niveau de cet endroit, peut-être en bas, là. Non, c'est le cinquième. Voilà, c'est là. Et ici, ça sera le coffre rouge. Une musique de l'enfer. Alors, je sais pas trop... Je sais plus trop ce qu'on a fait également ici, hein. Maintenant, ça commence vraiment... à dater. J'ai dû le faire, ça, je pense. Ah, ça... quoi que non, si. Je sais plus si ça me dit quelque chose ou pas, ça. Attends, on va monter. Ah, faut projeter un truc. Alors, hop. Hop, bon, on va faire le tour. Ça, je pense, c'est juste pour bloquer ou je... Ah, je passe peut-être à travers en étant en boule. Ou pas mieux pas. J'ai pas souvenir d'avoir fait ça. Ah, attends, j'ai fait le con. D'avoir fait ça en live. Ça le fait pas lui. Ah voilà. Je le mets là pour que je puisse ensuite le récupérer, puis on va continuer à progresser avec lui. Alors, hop, voilà. Cool, ça va pas tuer, j'en ai besoin, ouais, on dirait. Allez, la clé rouge, yes. Non, attention. Non, oh le con. Ça le tue. Merde, ça l'a tué. Ah, je sais plus si les blocs se réinitialisent ou pas. Ce serait bien que non. Et vu qu'on change total d'écran... Ah non, c'est cool. Voilà. Hop, je le récupère, on va refaire le chemin. Et donc après, il faudra peut-être se mettre en boule pour péter le bloc... ça, ok, c'est bon, hop, au-dessus, vite, voilà, nickel. Non, 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 j'en ai besoin. Si je me transforme là, ça va faire quoi, remarque? Ah, il passe pas. Bon, on va essayer, je vais sortir, rentrer, faire transformer en boule, voir déjà ce que ça fait. Quand ça tape ça, peut-être faire apparaître une porte, mais je pense qu'en sortant, il faudrait péter ça, et là, il y aura peut-être l'accès au coffre rouge. On va essayer. Hop. Et vas-y, hop, on va voir. Ok, je passe. Ah non, c'est pour revenir. Non, évidemment, je peux pas m'arrêter, hein. Par contre, je sais pas où est le coffre rouge. C'est déjà bien d'avoir le...
La clé. Est-ce qu'on l'a fait ça? Ça me dit pas grand chose ce chariot là, mais. Ah ah ah! Ok, donc c'est, ça serait là. Il y a le coffre rouge en tout cas dans cette pièce. C'est parti. Putain. C'est pareil. J'aurais dû rester sur ce chariot. Hélas, je peux pas tenter une accélération, c'est trop violent. Ouais, ça, c'est peut-être une chose que je peux régler dans RetroArch. Au niveau du Fast Forward. Non, je passe pas. Non, j'ai appuyé sur le saut. Hein. Bon, je vais faire une petite accélération jusqu'à ce que j'arrive à passer ça. Ou coupure si ça dure trop longtemps. Ok, donc là, faut l'enclencher. Pour pouvoir avoir celui du dessous juste après. Là, je sais pas s'il faut remonter, peut-être ouais. Ok, là je pense que c'est bon. On y est. Très bien. Un de plus. Donc le 63 on l'avait fait. C'était au nord 2 là, je l'avais dû le faire. Peut-être dans cette partie là que vous regardez, je sais plus. Tiens, c'est une épée. En tout cas, je l'ai noté comme étant fait. Alors l'épée, ça permet quoi ça? On sait pas. Donc je vais faire le 64, donc il se trouve à l'est. Je sais pas si c'est là. Si, là c'est ça. Et deuxième. Ok, niveau de glace, et là il faudra trouver donc le coffre bleu. C'est vrai que ça glisse bien. Non. Ok, hop. C'est bon, alors. Je sais pas si on est déjà allé ici, sans doute. Quoique. On pouvait peut-être pas le faire avec les gros monstres. Ah, c'est rouge. Ah non, mais c'est le bleu que je cherche. Donc non, ça, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait avec le bonhomme de neige, ça me dit quelque chose. De voir là. Il y a une sortie là, mais. Bon, je me dis que non, ça c'était pour un autre coffre, peut-être le gris. Parce que là c'est quand même assez facile d'accès. Un truc à contre-courant là. Voilà, c'est bon. Ici il y a quoi? Ah, le coffre bleu, c'est ça. Ouais, il y a la clé qui est en dessous. Ok. C'est bien, les deux sont ensemble. Alors, faut que je me transforme en boule de neige. Pourquoi c'est plus rose celui-là que les autres? Je me transforme en boule de neige, mais je crois qu'il faut faire ça en ayant assez de distance pour vraiment se transformer comme il faut. Genre là. Bah, super simple alors. Ouais. Très simple là ce coffre. Je pense qu'il fallait sauter avec la boule ou je sais pas, faire un petit peu. Avoir un peu de précision, mais pas du tout en fait. Bon, bah c'est bien. Ah, il fallait que ça soit deux jours pour faire ce coffre. Donc j'ai de la chance. Hein. J'ai pas fait gaffe à ce détail. Il fallait que ça soit deux jours. Là, on a une soucoupe volante. Est-ce que ça va changer quelque chose? Non, toujours pas. C'est quand même pas facile hein, pour savoir quoi faire après. Bon, après, faut regarder les ronds roses. Alors là, faut que j'aille, je trouve, le niveau 3 qui est là. Ah, le Castle of Illusion. Ouais, putain. Je pense que ça va être chaud. Et là, faut trouver le coffre rouge. Celui-là, on l'a fait deux fois déjà, mais je m'en rappelle plus. Je sais qu'il était un peu chiant. Parce qu'il y avait des switches, tout ça, activés pour...
progresser. Donc là, il y a une sortie, hein, mais... Je vais déjà le faire. Ouais, je sais pas, je peux pas regarder en bas, mais c'est pas grave. Ah, faut que je réactive encore. Attends, mais... Je venais de le faire. Ok. Là, je peux y aller, là. Non, baisse-toi. Putain. C'est vrai que quand tu sautes et que tu fais bas, tu te baisses pas, quoi. Tu fais le tape-cul. Ah, j'ai été retransformé direct, là. C'était ça, là. Ok, c'est bon. Je sais plus ce qu'il y avait là. Peut-être un switch. Ah non, il y avait le truc chelou. Ah, attends, c'est quoi que je cherche? Le rouge? Ah bah voilà, c'est au-dessus. Ok, donc, on a le coffre. Plus que la clé. Merde, faut pas le tuer. Putain. Ça se peut pas que la clé soit cachée derrière un mur, quand même. Je vais préparer le terrain, en tout cas. Je sais pas trop comment, comme ça. Non. Comment je pourrais le monter? Je peux pas là. Je peux pas aller plus haut. Hein. Ah si, ça y est. Ok. Ça c'est cool. Comme ça. C'est en haut. Hop. Voilà, c'est bon. J'ai au moins mon chemin pour ici. Bon. Maintenant, faut trouver cette clé rouge. Ça, ce sera peut-être autre chose. Merde. Non, je me suis baissé. Putain, c'est chiant. Tu veux pas l'enclencher là, le tape-cul et. Bah c'est la baisse parce que tu te fais quand même bouffer par le zombie, quoi. Je vais te refaire tout ce tour. Non. La clé. Oh putain, je voulais sauter en faisant haut. La clé est peut-être au-dessus. Hein. Pourquoi ça s'est remis comme ça, là? Attends, mais quand on rentre dans une pièce... Ah non, c'est qu'il fallait activer, je suis con. Il fallait activer là. Il est où? Il est là. Je pense que c'est au-dessus, hein. Ça va se jouer. Enfin, j'imagine, la clé est pas loin du coffre, normalement, donc ça me paraîtrait pas déconnant que ça soit au-dessus. Du switch. Non. Oh putain. Quel enfer. C'était la clé grise. Bon, je m'en rappelais pas. Bon, je sais pas. On va aller voir là. Coffre bleu, je sais même pas si on l'a déjà eu. Alors, normalement, il y a une technique. Ok, ouais, c'est ça. Faire dash et bas pour faire une glissade prolongée, sauf que bon. Je sais pas comment passer. Attends, y a pas un truc à gauche là? Ah, j'ai cru voir un vide. Quoi qu'il en soit, hein, c'est pas ici. On peut essayer de voir là. Ouais, ça, je m'en rappelle, mais bon. Si on se pète la gueule, on va là, je suis pas sûr que ce soit à droite. Il y avait pas un autre chemin là? Ah merde, mais là je reviens au début. Ok, bah j'ai peut-être un peu galéré pour trouver cette clé. Donc, bah écoutez, je vais faire une petite coupure, je vais essayer de
progresser comme ça. Pour pas que la vidéo dure des heures, mais... Enfin, je l'ai dit sans doute plein de fois là dans cette vidéo, ça. Et si je trouve du neuf, je vous mets le passage. Ok, bon, je suis allé voir une solution parce que je trouvais pas. J'ai fait un peu le tour. Et en fait, ça va se trouver... vous allez voir, c'est très con. Alors, déjà, toi, tu dégages. Faut que je descende. Enfin, c'est très con. Faut le savoir. J'ai pas fait gaffe, quoi, que... Enfin, disons que c'est planqué. Merde, quel con. Fallait pas tomber, là. C'est pas grave. J'ai remonté très vite fait. En fait, il y a une plateforme cachée. Alors, déjà là. C'est pas ici, c'est celui du dessus. Là, on récupère quelque chose en fait là. Et si on fait start, on voit que c'est la clé rouge. Voilà. Donc c'était ici la clé rouge. J'étais passé par en dessous là quand je suis allé visiter un peu à droite. J'ai plus du tout. Je pense qu'on l'avait peut-être chopé sur un de nos passages précédemment, mais. Je m'en rappelais pas quoi. Non. Oh, putain, c'est insupportable. Quand tu fais bas, il est obligé de faire le tape cul quoi. Ok, bon bah maintenant hein, plus qu'à sans que ça se rematérialise pas, sinon ça va être l'enfer. Bien, coffre rouge effectué. Ah, ça va être intéressant là. Donc là on va aller à l'est au 7ème niveau pour prendre le coffre gris, donc c'est un niveau qu'on n'a pas fait jusque là. Donc là, ça va être nouveau. C'est quoi que j'ai eu là? Une espèce de flamme, on dirait. Une torche. Ah voilà, ce qui explique donc l'accès à ce niveau qu'on ne pouvait pas auparavant. Très bien. Et ben, on va y aller dès que j'aurai la main. Ah, là aussi, il y a un truc. Ok, en tout cas, je suis au bon endroit, hop. E7, hein, c'est ça? Oui. Je peux aller à droite? Ça me mène où, ça? Ah, ça m'ouvre un raccourci pour faire le tour, là, de l'île. Parce qu'avant, je pouvais pas. Ok. Bon, bah ici, hein, la totale découverte. Donc la clé grise, c'est bon, on l'a repéré. On va essayer d'aller par là-bas, là. Un niveau spécial ascension sur un arbre là, c'est ça? Quoi? Bon. Ça c'est pas très grave. Je l'ai pris, je tombe dans le trou, mais bon. On va passer là. Et bah maintenant c'est le coffre gris. Alors je sais pas si ça se trouve il est juste là. Il faut que je me transforme en zombie. Je peux pas passer à travers. En zombie, je sais pas si je peux descendre l'échelle. On va essayer. Ah ouais, mais il y a des flammes. Ouais, quoi qu'il en soit, je vais me transformer là. Donc non. Bon après, je sais pas si c'est là qu'il y a le coffre, il y a une pièce. Regardez à gauche là, il y a des étincelles. Peut-être un passage ici. Ouais, on va aller voir ça. C'est quoi que j'ai chopé là? Je sais pas. Et là ça se trouve là à gauche, je pouvais faire un tap cul. Quel zombie qui est revenu. Voilà. Putain mais ça repop quoi. Ok. C'est vraiment relou hein, ces zombies. Et je vais essayer là. Là y'a rien. Oh putain mais ça repop quoi. Bon bref, on va se casser de là. Essayer de trouver ce coffre gris à un autre endroit.
En espérant que c'était pas en bas, quoi. Sauf que je vois pas comment c'est pour y aller. Ok, donc il y a plein de trous. Il y a une échelle là en dessous. Bon, je suis tombé ici. D'accord, donc là, il y a la clé bleue, ça pourra nous servir plus tard. Si bien sûr, je m'en rappelle. Bien fait le con là. Putain, faut rebondir sur lui là pour passer. L'enfer. Ah, le coffre gris est là. Ok, c'était vraiment bien. Que pour. Comment dire. Que pour une pièce là en bas à gauche. Ah, je suis désolé, hein, c'est un peu haché quand je parle là, mais. Je peux pas me concentrer et faire un joli speech. C'est hyper saccadé, hein. Vache. Attends, je vais être obligé de faire le tour. Je suis obligé de passer par là, quoi. Ce qui m'inquiète, c'est. C'est qu'il y a un endroit, j'ai l'impression qu'il va falloir vraiment rebondir. Oh putain. Sur le piaf pour. Pour progresser, quoi. Ah ouais, l'enfer. En plus, je sais pas vraiment quand il démarre. Il y a une petite, latence. Bon, je vais essayer un coup, si j'y arrive pas. J'ai une accélération de coupure, hein. Vous connaissez la chanson. J'étais limite là. Ah, c'est pareil, bon bah coupure. Oh yes! Bon, je l'ai fait de cette manière, ça marche aussi. Moi, oh, ça va vers le bas là. Non, ok. J'insiste pas. Là, je veux bien. Hop. Ok. Putain, cauchemar quoi. Allez, c'est bon. On va faire le 67ème. Alors, attends, je sais pas quelle couleur c'est là. C'est gris. On a jamais fait le E5. C'est quoi qu'on va avoir là? On dirait un miroir, quelque chose comme ça. Miroir magique, il fait quoi lui? Il y a une ombre là sur le sur la glace. Ok, en tout cas. Ah ouais, c'est une warp zone quoi. C'est un nouveau niveau également. Et on va essayer de trouver le coffre gris. Ça s'est trouvé. Ça fait quoi ça? Ça nous TP apparemment. Bon bref, coffre trouvé. La clé maintenant. C'est une porte. Il y a une flèche qui vient d'aller en haut là. Ah la clé. Ok, très bien. Très bien. Faut que je trouve un ennemi. Allez, le décor forme un 1 là. Merde, ah putain. Ah ouais, ok, donc il va vraiment falloir pas se péter la gueule. Est-ce que je peux l'embarquer? Ça aurait été trop simple. Bon. Je pense qu'on va faire un petit parcours là, jusqu'à arriver. Si je suis dans l'eau, je pense que si je suis en feu. Possible que je sois en feu à un moment donné. Ah, je pourrais être écrasé. Si j'ai un intérêt à le faire. Bon, bref, je vais prendre cette porte, on verra. À gauche. Alors ça par contre c'est cool. Ah.
Bon bah nickel, je peux finir le niveau. Il suffit que j'aille dans la warp zone, là ça me ramène au début et... Et on visitera ce niveau plus tard, pour d'autres coffres. Ça donne un petit aperçu avec ces téléporteurs. C'est cool en tout cas. Ah bah en fait... Oula, ah oui d'accord. Alors je vois tous les coffres qu'on va faire à la suite là. En fait on va vachement traîner sur ce niveau là et le précédent, le E5E7. Limite attends mais... En fait on les fait à l'intégrale quoi. D'accord. Donc là on a chopé une valve. Ok, il y a un tuyau qui a poussé là, je sais pas quoi. Est-ce qu'il y a un flux sur le niveau 5, là où on va? Non, 7, pardon. Donc là, on va faire le coffre rouge. Donc il y a peut-être un tuyau quelque part qui permettra d'accéder à cet endroit. Je ne sais où. Bon, ça, je commence à connaître par cœur. Bon, attention quand même. On va aller voir à gauche, là. C'était quoi ici? On avait vu un coffre ici, je crois que c'est le bleu, non? En tout cas, il n'y a rien qui s'est... Ouais, c'était le bleu. C'est pas celui-là qui nous intéresse pour l'instant. On le fera plus tard. Doucement. Ah oh, merde, putain. Oui, non, c'est bon. Enfin, c'est bon. Ouais, non, c'est compliqué quand même. J'essaie de me rappeler un tuyau qu'on aurait vu. Enfin, il y en a bien un en bas à gauche. Mais ça m'étonnerait que ça soit ça. Vite, non, là, faut aller vite. Hop. Oh, j'ai failli l'accrocher. Putain, il est pas facile ce saut là. Donc, en fait, le chemin c'est peut-être en haut à droite. Hein. Je me rappelle pas avoir. Je crois que j'ai quand même assez bourriné tout à l'heure pour avoir le coffre gris quoi. Non, quoi que non. J'ai l'impression qu'il n'y a rien d'autre. Si, il y a un tuyau là. Ah oui, yeah, c'était bouché en fait ça. Donc là c'est accessible. C'est quoi, c'est des gousses d'ail là? Merde. Des gousses d'ail accrochées. Ah merde, putain mais... Pourquoi il y a une plateforme et pas moi lui? On va se faire chier. Hop, voilà. On va le mettre là. Comme ça. Si je peux passer de l'autre côté, ce sera plus simple. Dégage-toi. Non! Putain! Te panique à chaque fois. Non, mais j'aimerais juste péter les deux. D'accord, j'y arrive pas. Coffre vert. C'est le rouge que je cherche. On va se mettre en vampire. Allez. Ah mais ça doit pas aimer les gousses d'ail. C'est pour ça qu'il y a ça. Je me balade, hein. J'essaie de comprendre un peu le... ce que ça présente. Il y a la clé verte. Ok, bon. En tout cas, quand on s'occupera du vert, on sait à peu près où faudra aller. Je pense que là, j'aimerais bien aller là plutôt. Tiens, cette branche là. Bon, là on a un robot là qui va nous transformer en ressort. Ok, ça OZEF total. Allez. Non.
Et ouais, c'est ce que je craignais. Par contre, comment on va le faire passer alors? Ouais, il va falloir l'amener à droite. Je pense que c'est là, hein, le. Ce qui va être rouge. Je sais pas si je peux juste faire ça. Non. C'est pas assez. Oui, je pense que ça va le tuer si je l'envoie fort. Ah, mais vu que c'est un gros, peut-être que j'envoie pas à fond comme les petits là. Ouais, c'est bon. Vas-y, fais-toi plaise. Non, non, putain, y'a ça. Sérieux, y'a ça en plus. Ok. Le coffre rouge est là, donc c'est bien cette salle. Sauf que la clé, va falloir refaire... Putain, il a disparu, c'est pareil. Il faudra utiliser la même technique, hein, je pense. Bon, je veux bien essayer là. Ça pour ça. Quoique là, je veux bien aller voir ce qu'il y a dans cette pièce. Je sais pas si ça sert de l'amener plus à droite. Ok. Bizarre, on dirait que ça continue là. Attends, il y a un truc là. Je vais avoir besoin de lui. Non. Oh putain, relou. Arrête. Voilà, c'est bon. Ok. C'est bien ce que je pensais. Tout ça pour une pièce. Alors, bah faut refaire le truc. Non, bah non, je peux pas monter, donc ouais, je suis obligé d'avoir le robot. C'est bon. J'accélère, hop, voilà. Pour qu'il arrête d'être en ressort. Et c'est fait pour le 68e. Et on va retourner directement à ce niveau-là pour faire le coffre vert. Je sais qu'on avait tout eu pour le coffre vert, mais... bon, ça va me revenir, voilà. Je vais dire ça. Ah mais attends, est-ce qu'il y a... Non, c'est bon, on peut le faire de nuit. Bien joué. Et non, dommage, putain, mais ce saut-là, il est horrible. Ok, c'est bon. Oh, putain, j'ai failli me rater. Ouais, donc fallait passer par là. Et ah ouais, c'est avec la chauve-souris. Voilà, c'est ça. C'était avec la chauve-souris. Je sais plus, je devais faire ça parce qu'il fallait péter un bloc, mais je sais pas. Je refais le niveau, est-ce que c'est réapparu ou pas? Je sais pas. Je dirais que oui, quand même. Mais lui, par contre, il a disparu. Putain, mais c'est abusé! Reste là! Ah, mais d'accord, il fait ça. En fait, j'ai eu du cul tout à l'heure. Réveille lui. Allez. Ouais, tout à l'heure, je sais pas, j'ai eu de la chance, hein, je pense.
là on avait trouvé le coffre. Maintenant, va falloir jouer avec lui. Y aller, on va voir. Ça me servirait à quoi? Un truc à péter. Putain, là faut éviter, je pense que. Non! Oh putain, puis il a disparu. Oh, c'était là. Est-ce qu'il revient? Je pense que non. Alors on va faire ça. Non, je peux pas. Go. Bon, si je me foire encore, j'accélère le truc. Ok. C'est nickel. Plus qu'à aller chercher. Non, là j'ai fait le con. Putain. Que je descende aussi bas. Allez, c'est bon. Donc là, on va retourner au niveau 5 pour faire le coffre rouge. Lui, il donne quoi? Il y a une télécommande. Ouais, c'est ça. Je suis à fond niveau pièces. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas fait de mini golf aussi. Ah, alors ça fait quoi ça? Ah, ça dégage le chemin. Donc, c'est pour ça qu'on va retourner à ce niveau-là, quoi. Très bien. Donc là ici coffre rouge. Alors, ce qui est cool, c'est que je sais où c'est. Ça, on l'avait fait. Donc là, il y en a plus, hein, c'est ça. Je peux passer à gauche. Très bien. Bon, maintenant, on connaît pas. Ah, c'est tout petit téléporteur. Oula. Oh, clé rouge. Ok. Attends, par contre, c'est l'enfer. Là. Faut trouver le bon chemin, mais ça va 300 à l'heure. Quoi. Alors, je vais coller à droite. Ok, bon bah nickel. Un peu de chance, hein, mais bon. J'aurais essayé plusieurs fois, j'aurais réussi aussi. Rigolo. On va le refaire celui-là. Ah, on a un autre crayon, on dirait beige. Je sais pas combien il y a de crayons en tout. On va refaire celui-là pour faire le coffre vert. Et je sais pas si on avait repéré une autre couleur, je suis pas sûr. Hein. Bon, et lui, ce serait bien de l'avoir. Et pour ça, il faudrait le tonneau, je pense. Donc là. Passons à gauche, hein, je vois pas ce qu'il peut y avoir d'autre. Et aussi le fait d'être écrasé pour être. Tout écrasé, quoi, mais je sais pas si ça servira. Ouais, c'est ça, ouais. Je pense que le tonneau, je m'en sers pour libérer l'autre là, qui me refasse monter au-dessus, quoi. Alors attention. Je prends ça. Ou alors. Oh, putain. Oh merde, bon alors, j'essaye ça. Ce design. On dirait qu'il y a des trucs à activer là pour ça. Ah, je suis au début, d'accord, très bien.
pense qu'il faut vraiment libérer ce robot pour... Bah pourquoi en fait? Ah, est-ce qu'il faudrait sauter là-dedans là? C'est ça qu'il ferait... Je sais pas. Il y a là aussi. Ouais, c'est peut-être tout à droite plutôt avec le robot. Allez. Donc je prends ça. Je libère lui. Et je vais l'amener tout à droite. Hein. En fait, je sais pas là, les poteaux bleus là. Il y a peut-être un truc, mais je préfère essayer ça d'abord. Super. Génial. Et ben, je vais le ramener. En fait, c'est bizarre quand même ces deux trucs bleus là. Mais rien qui se passe, très bizarre le design hein, de ce truc. Donc il y a lui là. Je peux rien faire d'autre. Bon, je sais pas là. Parce que là, il y a l'ours. Putain, et puis j'ai toujours rien trouvé. Ah, ça s'est libéré ça. Ça, je peux pas l'embarquer. Merde. Secours. Ah, je peux rien faire avec ces deux merdes là. Bon, écoutez, je sais pas, je vais avancer de mon côté. Je suis une petite coupure là, ça fait un moment qu'on est sur ce niveau. Et je vais voir une solution si jamais je trouve pas. A tout de suite. Ok, bon bah c'est pas à peine d'insister, en fait j'étais pas du tout sur le bon chemin. Donc je vais revenir au début là. En fait au début, il faut aller... On apparaît ici là, et il faut aller tout à gauche. C'est bizarre, j'ai jamais fait ce passage d'ailleurs. C'était bloqué là, ici auparavant, c'est très bizarre quoi. Mais le chemin donc pour ce coffre vert, c'est par ici. Alors... qu'est-ce qu'il y a de beau là? Ah super. Qu'est-ce qui m'a fait tomber? Oh, la clé, elle est là. Et ça me fait revenir. Ok, au début. On s'en fout. Putain, je vais aller voir vite fait là, les petits trucs jaunes là. C'est encore un gars qui bourrine. Alors attends. Est-ce que je comprends bien? Quoi? Faire ce truc. Ah c'est bon. Faut tout péter, vous croyez, ou c'est suffisant? Allez, comme ça c'est fait. Bon, je sais pas, ça c'est pour débloquer le passage sans doute. On revient ici. Ah bah oui, c'était bloqué là. Ah bah attends, c'est là qu'il y a le... Ok, je vois. La clé, elle était où? C'était en haut là. C'était par là la clé, non? J'ai encore besoin d'un truc là. Et le coffre est là.
Ouh, ça va être bien. Par contre, comment je chope la clé? Parce que là, je passe pas. Ah, mais ça se pose pas. Alors, attends, parce que là, il y avait un tonneau, là. Ah oui, d'accord, mais c'est... Putain, ok. Ce mur-là... C'est celui qui me gêne, là, quand je passais par la gauche. J'arrive à le défoncer avec le tonneau. Avec l'autre furieux, là. Bon, et ça passe. Ça va passer, ça. Bien joué. Ah ouais, très bien. Monte. Ok. Ça devrait le faire. Oh, putain. Il est vraiment relou, lui. Hop. Putain. On rewind. Vraiment, j'ai la flemme de faire le tour. Là. Ok, c'est bon. Donc la clé verte. Et puis là, ça va être l'instant bonheur. D'accord, donc faut aller à gauche. Allez. Ok, gauche, droite, je vois à peu près, mais... Oh putain, je suis allé... Faut vraiment bien bourrer à gauche, quoi. Ok, c'est bon. Ah oui, d'accord, il y avait une grosse plateforme, donc c'est... C'était pas si compliqué en fait. Bon. Donc celui-ci est fait. On gagne une potion rouge. On dirait des nouveaux types de zombies là. Voilà, donc là ça nous indiquait le 7. Donc c'est là où on va aller justement pour faire cette fois le coffre bleu. Alors est-ce qu'il faut que je reprenne le chemin là du tuyau? C'est clair qu'on les voit souvent là ces niveaux. Hein. Ok. Ici en fin du premier coup. Hop, on va aller là. C'est du bleu hein, que je cherche là. Alors, est-ce qu'il y a du zombie là? C'est pas dans cet écran? Merde. J'aille en haut à droite peut-être. Oh putain. Putain, ça c'est chiant. Tu veux te baisser, mais non. Il fait son tape-cul quoi. Coffre rouge. Enfin, je sais plus si c'est une couleur en tout cas. Ah, c'est quoi qui est en dessous? Non, c'est une sortie. Ouais, bah c'était la sortie pour d'ici. Ouais, donc c'est pas du tout là quoi. C'est pas du tout ici alors. Mais à gauche, y'a rien. Attends, je m'en rappelle plus. Attends, y'a quoi en bas là? Non, ok. Ici. Donc je vais essayer. Oh putain, il a pas pris le haut. Je vais essayer à gauche. Allez. En haut à gauche, il y a quoi là? Je m'en rappelle pas. Ici là. Ah, ça ressemble. Oui, ok, donc c'est là. Ça ressemble à l'endroit où on était. Là. Ah oui, avec toutes les flammes, bah voilà, ça explique.
Et oui, putain, c'est là. Ok. Putain, je vais les zapper. Je t'avais dit, hein, que je vais les zapper. Baisse-toi. Alors, attends, c'est le combien? 2, 3, 4, quatrième trou. Oh, j'en ai marre là de ce tape-cul là qui s'active. Bon, et calmez-vous. Ok. La clé, c'est bon. Par contre, le coffre, je sais pas. Bon, de toute façon, c'est dans le même écran. Oh, putain, j'en peux plus de ça. Ah, faut de la patience. Non! Putain! Ça me saoule! Ah, c'est le pire gameplay, ça, quoi. Ok, alors ça, c'est. Je pense que j'arriverai jamais à reproduire ça. Non! C'est ignoble. Non! Oh, je me baisse là. Ok, là faut se laisser toucher pour qu'on se transforme. Si ça veut bien. Comme ça. Oh, c'est bon. Et ben voilà. Donc là on a complété totalement ce niveau. On n'y retournera plus. Il nous reste un coffre également bah, dans l'autre, le bleu. C'est ce qu'on va faire. Une carte de crédit ou peut-être juste une carte. Une carte d'accès, je sais pas. Ah bah voilà. Ah mais j'en ai déjà une. Attends, c'était où l'autre? C'était au E7, d'accord. Ah donc ça ouvre ce truc et ça me permet de pouvoir le lancer sur le mur là. Où j'ai insisté 15 ans là. Ok. De ce fait, on y va. Oui, non, c'est par là. Ah putain, ouais, ça s'est reconstruit ce truc du coup. Hop. Allez, casse-toi. Oh putain, j'ai failli tomber. Hop, par là. On s'en fout, je peux aller faire ça direct. Ok, donc lui il est là. Ça, hop là, et là je peux passer. Donc est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Okay, super intéressant. Oh, il est bien bloqué là, l'ours. Pas une porte là, on dirait. Bon. Alors, c'est quoi que je cherche? C'est le bleu, hein. Ouais, c'est le bleu. Je suis pas fou, j'ai cru voir une pièce verte, non? D'accord, j'ai pas le choix. Une porte du diable, comme si j'allais atterrir là tout le temps. C'est bizarre cet endroit. Ah, c'est vert. C'est bizarre, je suis pas allé là pour le vert. Ouais, on l'a fait le vert. C'était pas du tout cet endroit. Bon, je pète tout hein, au cas où.
Ok, bon, on va prendre cette porte. Faudra le débloquer en étant gros. Ok. Il y a deux qui arrivent. Ça non. Est-ce que je peux retenter? Oh putain merde. Il a fait du surplace. Ok, je suis passé. Là il y a la clé bleue. Ok, on a l'accès au coffre bleu ici. Je reviens là. Ça, je l'ai pas fait. Ah, c'est celui qui me fait grossir. Je peux pas sauter quand je suis grossi. Je sais plus. Si. Ok. Nickel. Ah, voilà, c'est bon. Là, ça veut dire qu'il faut que je remonte. Ouais. J'ai pas le choix de reprendre. Ok, je reviens là. Et comment j'y allais? C'était le deuxième là. C'était celui-là. Ok. Donc en étant écrasé, je peux passer à droite. Et je peux passer là. Il y a mon truc à droite qui va me faire grandir. Là je... Voilà, je suis collé à la clé, ok. Donc là... Je prends ce chemin là... Je m'en fous, je prends cette deuxième porte. Et là je refais ma technique là. Voilà, c'est bon. Et c'est fait. Voilà, donc là on a fait deux niveaux en entier, là, le E5 et le E7. On a passé du temps là-dessus. Et le prochain, on va retourner donc au sud E5. Ça sera le 74e, ce qui veut dire que il reste deux coffres à faire pour cette vidéo. Je vois combien de captures là? 1h08. Ok. Donc, j'ai mis plus de temps sur l'autre d'avant, parce que j'étais pas très... Pas très concentré, je pense. Enfin, je sais pas, je savais pas trop comment faire encore. Là, je pense que c'est bon, là, je sais à peu près ce que... comment procéder, on va dire. C'est-à-dire que dès que je me paume ou que je sens tout de suite que ça va pas le faire, je fais une coupure ou autre, quoi. Je vais pas me prendre la tête, faire ainsi. Alors, faut que je trouve le S5. Voilà, ici, et ça sera le coffre rouge. Après là aussi, j'ai fait deux niveaux à fond. L'avantage c'est que je connaissais bien le niveau, quoi. Donc là, par exemple, celui-là on l'a déjà fait, mais j'ai pas de souvenir. Ah, coffre rouge en bas, très bien. Que ça marchait comme ça en fait ce monstre. On va par contre tout faire monter. Voilà, au moins j'ai l'accès au coffre rouge. Maintenant faut trouver cette clé rouge là. Elle est là. Alors attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce serait le 7ème, c'est ça? Attends, j'arrive pas à compter là avec le con. 3, 4, 5, 6, 7 ici. Oh, putain. Ok.
essayer de remonter contre courant, ce sera plus rapide. Et on est bon. Allez. Ça a été rapide celui-là. Bah, ce qui est bien, c'est qu'au moins, j'ai eu la chance de trouver direct la bonne salle, quoi. C'est une voiture, ça ? Okay. Bon, mais maintenant, on va retourner de nouveau à l'est. Pour faire le 4. En fait, j'ai vraiment fait le grand tour tout à l'heure. Hein. J'aurais dû aller direct à gauche, mais bon, je savais pas trop. E4 pour le coffre bleu. Ah, il y a du golf. On a dû le faire, ça, déjà. Coffre bleu, j'ai dit, putain. Je sais qu'on a déjà eu la chouette, mais je me rappelais pas dans ce niveau en particulier. Comme ça, est-ce qu'on l'a déjà fait ça? Ça me dit rien. Non, bah voilà. Coffre bleu ici. On va trouver la clé maintenant. J'espère que ça se trouve dans cette pièce. Y aller. Quel bordel. Ah, elle est là. Non. J'arrive pas à sauter. Attends, je vais attendre. Ok, c'est bon. Et ben voilà, nickel, donc 75e, 25 coffres là pour cette vidéo, et on fera les 25 derniers la prochaine fois. Ça va déjà me faire pas mal de montage tout ça, mais franchement ça me plaît bien, je trouve ça quand même mieux, enfin, c'est me concernant hein, bien sûr, de le faire sans Solus quoi, vraiment de chercher de moi-même. C'est juste que je regarde de temps en temps quand je pense avoir fait le tour ou que... Ça fait un moment que je traîne. Là, c'est plutôt cool. Vérifier quand même, parce que je dis pas de conneries, mais normalement... Voilà, 75 sur 100. Eh ben, très bien. Donc, la prochaine fois, je vais me positionner, comme ça, je serai prêt. Il faut... Attends, faut déjà que j'enlève ça. J'aille au sud. Et que je me mette au sud 4. Ça doit être là. Voilà, ici. Donc, j'ai une save state là. Et donc la prochaine fois, on continuera ici et on fera la suite des trésors et la fin du jeu. Enfin, la fin à 100%. Quoi. Sur ce, j'espère que ça vous plaît, pour quelques personnes qui continuent à suivre, et que, voilà, que ça continuera à vous plaire. Je vous dis à la prochaine, et à bientôt.